Bienvenue pour la seconde partie de notre programme où nous poursuivons notre tour d'Italie en décryptant davantage la société italienne. Nous sommes devant le Colisée, cette œuvre millénaire, symbole de la ville de Rome. Or, cette municipalité a été remportée en 2016 par une maire du mouvement 5 étoiles. C'est ce parti politique créé en 2009 par un certain Beppe Grillo, un humoriste qui souhaitait impulser davantage de démocratie participative. Il s'est réformé depuis et certains lui reprochent aujourd'hui sa gestion locale, son discours anti-européen et parfois des dérives anti-migrants de son leader. Et pourtant, il caracole dans les sondages et il pourrait bien remporter les prochaines élections. On regarde pourquoi avec ce reportage signé Johan Baudin. Au milieu des carnavaliers, il apparaît un peu embarrassé. Félicitations, quel beau masque! Je peux prendre une photo? Bien sûr. Je ne vous ai jamais vu en vrai. Ah non! Fabio Fucci n'est pas un adepte des bains de foule, mais à Pomezia, il est désormais une personnalité publique. Plus à l'aise tout de même dans l'austérité de son administration. Depuis 3 ans, cet informaticien est le premier édile de la ville. Ça, c'est grâce au mouvement 5 étoiles. Et ça n'aurait pas été possible il y a quelques années sans lui. Élu de la formation anti-système sans expérience politique antérieure, à 38 ans, Fabio Fucci entend sur sa commune de 60 000 habitants appliquer les préceptes du mouvement 5 étoiles. Nous avons un approche très concrète. Nous avons une approche très concrète, orientée sur la résolution des problèmes que le peuple, que les gens perçoivent. Le mot populiste, nous le voyons de façon très positive. Nous n'avons pas d'appartenance particulière, ni de droite, ni de gauche. Mais nous disons que nous sommes quelque chose de révolutionnaire. Le cœur de la machine 5 étoiles bat à la tombée de la nuit. Une réunion de militants. Et ici, Fabio Fucci se présente comme un simple activiste comme les autres. Un vaut un. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'idée fondatrice du mouvement 5 étoiles. Il n'y a pas de chef. Parmi les résolutions actées ce soir, l'incitation au bénévolat ou une enquête sur les antennes relais. Des propositions qui seront aussitôt mises en ligne sur leur site. Moi, je ne vois pas de secte ici, mais un groupe de personnes qui parlent de thèmes concrets. Ici, aujourd'hui, il y a une démocratie horizontale, avec des gens qui sont au même niveau. Pourtant, il y a bien un chef à ce mouvement, c'est son fondateur, l'homme de télévision et humoriste Beppe Grillo. Iconoclaste, non élu, il a réussi à propulser au Parlement italien plus de 160 députés et sénateurs. Mais une trentaine ont déjà fait défection. Et 5 étoiles a pris le contrôle de villes d'envergure comme Turin et Rome, où la jeune avocate Virginia Raggi a été élue avec la promesse d'en finir avec la corruption. Problème, 9 mois plus tard, elle est convoquée par les juges. Son équipe municipale cumule les affaires, les démissions se succèdent. En poste depuis 3 mois, le maire adjoint, Luca Bergamo, voudrait tourner la page des débuts chaotiques. Il y a eu une combinaison de fautes, des difficultés à faire des évaluations immédiates. Certainement, on a un absence de support à l'intérieur de l'administration. Je pense qu'on a dépassé la phase et qu'on peut s'attendre à un renforcement de l'administration dans le mois à venir. Le mouvement anti-système dirige désormais des pans entiers du système italien. L'inexpérience de ses élus, présentée comme une vertu, est maintenant un fardeau. Leurs contradictions exposées sur la place publique. À l'épreuve du pouvoir, 5 étoiles est prise au piège de ses propres dogmes. Quand ils font face à une décision difficile, ils disent toujours « on va faire un référendum ». C'est leur façon de ne jamais vraiment prendre de réelles décisions sur des questions essentielles. Est-ce qu'on doit sortir de l'euro ? Faisons un référendum. Donc ce rêve de démocratie directe qui les autorise à ne pas prendre de décision est une solution politique brillante, mais bien sûr c'est un désastre. But of course it's a disaster. Bénéficiant du rejet de la classe politique traditionnelle, le mouvement 5 étoiles, malgré ses déboires, pourrait devenir, en cas d'élection générale anticipée, la première force politique italienne. C'est en banlieue de Rome, dans l'autre grande université, Tor Vergata, que nous retrouvons un député européen
qui a fait ces humanités, son droit plus exactement. Il s'agit de Fabio Massimo Castaldo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le groupe Europe des libertés et des démocraties directes au Parlement européen. Mais votre chef a cherché à en changer. Ça a été un petit micmac. On n'a pas très bien compris, puisqu'il voulait se rapprocher des libéraux qui ne sont pas du tout sur votre ligne, ni économique, ni d'ailleurs vis-à-vis de l'Europe. Nous, on a toujours critiqué l'union économique et monétaire parce qu'elle n'était pas bien réalisée. C'est plutôt un système d'échange fixe qui, dans ce moment-là, elle est en train de tuer l'économie, les économies des pays périphériques. On n'a jamais mis en discussion l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne. Je pense que c'est une question de démocratie. Nous, par exemple, on a présenté des amendements très importants pour avoir justement un opt-out, donc une voie légale pour faire cela, pour sortir de l'Union économique et monétaire, tout en restant dans l'Union européenne. On parlait de la personnalité de Beppe Grillo et peut-être de son autoritarisme sur le parti. 37 parlementaires qui ont souhaité partir ou qui ont été expulsés, c'est beaucoup quand même. C'est presque une fronde. Il y a des gens qui, peut-être, ils ont plutôt exploité le fait d'être élus par le mouvement 5 étoiles pour leur propre but, pour leur propre carrière, on peut dire. Sur cela, moi, j'ai vraiment rien à dire. Nous, on est peut-être le mouvement plus démocratique qu'il y a aujourd'hui en Italie parce que chaque décision importante, on essaie de la faire voter sur notre blog. À tous les inscrits et tous, justement, les militants qui sont inscrits au blog, ils ont la possibilité de s'exprimer. La mairie de Rome, elle est désormais dirigée par l'une des vôtres, une 5 étoiles, Virginia Raggi, élue triomphalement en juin dernier et qui, depuis, est accusée de faux en écriture. On laisse la justice faire son travail. S'il y aura des responsabilités, bien sûr, on en prendra toutes les conséquences. Mais je vous dis une chose, Rome est une ville qui a été gérée jusqu'à présent d'une façon, je pense, peut-être criminelle. La dette de cette ville, elle est plus que 15 milliards d'euros qui ont été accumulés par les administrations passées. Il y a des problèmes énormes de gestion sur du personnel. Il y a plus que 65 000 personnes qui sont embauchées entre les entreprises participées de la ville et ceux qui font vraiment partie de l'organigramme de la ville de Rome. Et il y a des problèmes aussi de corruption que le scandale des mafias capitales a démontré qui sont encore à résoudre. Est-ce que vous pensez que le mouvement 5 étoiles aurait pu résoudre tout ça que dans quelques mois? Alors on se retrouve dans la bibliothèque de l'université avec beaucoup d'interrogations sur l'avenir, notamment parce que l'Italie est devenue finalement le premier front d'accueil des migrants. Et vous avez un discours très musclé dans votre parti sur les migrants avec Beppe Grillo qui a même dit qu'il faut renvoyer tous les illégaux et sortir de Schengen. Excusez-moi, nous on a voté pour le plan Juncker de redistribution. Mais c'est qui n'a pas appliqué le plan Juncker? C'est la Pologne, c'est l'Hongrie, c'est la Slovaquie, c'est la République tchèque. L'Italie doit accomplir toutes ses obligations pour ce qui concerne les réfugiés. Par contre, la question des migrants économiques, sur cela, il faut vraiment un plan européen, il faut partager les responsabilités. Alors l'Italie, c'est devenu le premier front de la migration en Europe, avec 500 000 migrants qui sont arrivés depuis 2014 et 175 000 demandeurs d'asile accueillis dans des centres d'accueil. De plus en plus, on leur demande de participer à des travaux d'intérêt généraux. Cela pourrait être même systématisé, c'est ce que souhaite le gouvernement et cela pose évidemment problème. En une matinée, une dizaine de sacs ont été remplis à grande pelletée. Des détritus en tout genre et des herbes folles. Cette rue de Fiumicino s'offre un grand nettoyage de printemps au plus grand bonheur d'Angela, la voisine, venue offrir un peu d'eau pour soutenir les courageux. Ça fait 30 ans que ça n'avait pas été nettoyé par les gens d'ici. Et l'été, il y avait même des petits serpents sur le trottoir. Pour moi, c'est une très très belle journée, car j'ai vu des jeunes hommes travailler. Mais ces travailleurs ne sont pas des employés municipaux, ils sont ivoiriens, maliens ou gambiens en attente de papiers. L'ouverture d'un centre d'hébergement l'été dernier a été plutôt mal accueillie ici. Mais depuis 2 mois, les avis ont changé depuis que ces migrants travaillent bénévolement 4 jours par semaine à l'entretien de la ville. Je mange bien, je dors bien, tout. Ok, c'est pour cela que moi j'aime pour travailler l'Italie en gratuitement, quoi, parce que l'Italie, il m'a tout fait, quoi. C'est bon pour le corps. Je travaille et je fais de l'exercice. De plus en plus de municipalités italiennes proposent aux migrants de participer à des travaux d'intérêt général. À Fiumicino, une douzaine d'entre eux se sont portés volontaires sur la soixantaine de personnes hébergées dans le centre.
Le gouvernement italien veut généraliser cette expérience et impliquer plus de communes dans l'accueil des réfugiés. Pour chaque migrant logé sur sa cité, le maire reçoit 35 euros par jour. Et cette nouvelle main-d'œuvre est aussi la bienvenue. Avoir un soutien supplémentaire, pour nous, c'est fondamental. Il y a peu de ressources publiques. Regardez cette piste cyclable, on l'a faite, mais aujourd'hui, on a du mal à la maintenir en état. L'Italie a accueilli en 2 ans près de 500 000 migrants. 175 000 d'entre eux ont déposé dans la péninsule une demande d'asile. Légalement, travail bénévole et obtention de papiers ne sont pas liés. Le volontariat est présenté comme un gage de bonne volonté pour s'intégrer. Ils nous ont dit que ce travail peut nous aider à avoir nos papiers. Bien sûr, c'est un travail gagnant-gagnant. Voilà pourquoi on s'est engagé et on espère qu'ils vont tenir les dits. En Italie, plus d'un migrant sur deux n'obtient pas le statut de réfugié, mais peu sont rapatriés. À Rome, près de la gare Tiburtina, l'association Baobab vient en aide à ceux qui sont sortis ou ont été exclus du système d'accueil des migrants. Ces humanitaires comparent le travail volontaire et gratuit des demandeurs d'asile à une forme d'exploitation. Je veux que les migrants aient vraiment le choix de travailler ou non. Et s'ils choisissent de travailler, cela doit être dans le cadre de la loi du travail italienne. Pour ces migrants, l'Italie est devenue une escale au goût amer dans leur rêve d'Europe. La plupart veulent reprendre la route et retenter leur chance plus au nord, en Allemagne ou en France. Et pour continuer, nous avons le plaisir de rencontrer Cécile Kyenge. Bonjour. Bonjour. Vous étiez ministre de l'intégration de l'Italie, aujourd'hui eurodéputée pour les socialistes et démocrates. Ça correspond en Italie au Parti démocrate. Et vous venez de voir ce reportage sur cette idée de travaux d'intérêt généraux imposés de plus en plus aux demandeurs d'asile. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'on devrait essayer d'y travailler attentivement et surtout de pouvoir passer aussi un autre message à la population. Il ne faut pas que les gens dans le territoire puissent penser que les gens qui arrivent sont venus pour voler du travail, mais il faudrait le mettre plutôt dans une autre approche, c'est-à-dire le début d'une intégration. Et c'est sur ça qu'il faudrait vraiment réfléchir. C'est un processus qui doit aller à double sens, c'est-à-dire d'un côté, il y a la société qui accueille, d'un autre côté, il y a des gens qui arrivent, mais que ces gens doivent être protégés aussi dans leurs droits pour que ces personnes ne tombent pas dans les mains, peut-être, des personnes qui peuvent un jour essayer de les rendre esclaves. L'Italie, il faut dire, ça reste la porte d'entrée maintenant principale depuis que ce n'est plus la Grèce, hein, puisqu'il y a eu un pacte avec la Turquie. Je ne cache pas que l'Italie a été pendant longtemps seule. L'Italie a ouvert ses portes. Elle n'a jamais refusé l'accueil à des migrants, mais il faut se rendre compte que actuellement, nous sommes en train de vivre une grande crise. C'est la crise de solidarité entre les différents États membres. Et alors, vous nous avez conviés dans un centre d'accueil de migrants en grande banlieue ouest. C'est un centre d'accueil qui accueille des migrants qui viennent de Lampedusa ou du premier centre d'accueil. Le temps est très réduit, donc ça peut aller jusqu'à 6 mois, là où, durant cette période, ils essaient de faire toute la procédure d'asile pour avoir les documents et pour passer dans un deuxième temps à un autre projet d'intégration. Alors, on va demander à Aliceni un petit peu comment il est arrivé à ce centre. Bonjour. 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 Comment est-ce qu'à un certain moment, et des jeunes comme vous décident de quitter le pays, décident d'affronter, disons, un trajet aussi compliqué, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de morts là, dans le désert, vous tombez dans les mains de trafiquants, mais il y a aussi la mer. Donc, Il n'y a pas le droit de l'homme en Afrique, en Guinée, précisément là où je suis. Il y a plein de personnes qui sont mortes. Vraiment, j'ai toujours rêvé de venir en Europe. Donc, je suis quitté de la Guinée pour Mali. Mali, j'ai affronté le Burkina, Niger, Libye. De la Guinée à Libye, à Niger, là j'ai payé quelque chose de, si je ne me trompe pas bien, j'ai payé quelque chose de 400 euros. Vous avez perdu des compagnons, là, des amis durant ce trajet, il y a... Avec les amis dont je suis quitté en Guinée pour là, on est tous rentrés. Mais tout dernièrement, là, j'ai appris des amis qui sont morts en route. Beaucoup, plus de 7 à 8 personnes comme ça, qui sont morts sur la route.
Et ici, alors, comment vous êtes arrivé dans ce centre en particulier? Qu'est-ce qui s'est passé après? La raison pour laquelle on est là, c'est le papier. Vraiment, elle fait beaucoup d'efforts pour nous pour ça. Et aussi, il y a aussi des jeunes qui viennent. On y prend ici pour aller travailler ailleurs. Donc, il y a quand même des contacts avec la population. Il n'y a pas... puisque ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas partout où on trouve quand même cette atmosphère. Et c'est pourquoi moi, j'insiste sur le fait qu'il faut des petits groupes pour travailler sur la personne. Et pour terminer, on se trouve sur la très belle Piazza d'Espagne, à la place d'Espagne, au cœur de Rome, qui est votre favorite, je crois. J'ai fait l'université à Rome, alors ça aussi, des souvenirs un peu affectifs, puisqu'on se mettait sous les escaliers. Donc ici, vous trouvez des touristes, les jeunes, qui se retrouvent chaque dimanche. Ils viennent ici, passent leur temps en train de causer, de s'échanger. Et c'est vraiment l'endroit où les cultures se rencontrent. Merci Cécile Kiyengue d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis pour notre voyage en Italie. Vous l'avez compris, Rome espère bien... dans 10 ans, pouvoir à nouveau célébrer le 70e anniversaire du fameux traité de Rome et avoir surmonté les risques de dislocation du club européen tout en retrouvant l'esprit des pères fondateurs. Je vous donne rendez-vous, comme toujours, le mois prochain pour de nouvelles aventures européennes. À très bientôt à tous.